what your mind can conceive and believe it can achieve. So now take this. God is great of his to do the game. Born in actual born fighter. I beat this God blaze, horse and eagle bitch. The law for the Susan is kicking with intelligence. In my gathering, sound is chomping, the poses. Beat is ambition, intention, vision, got the passion. Hitting the gleam, going with mainstream, making things happen. Then came the call on your ETV. A pro that's gonna make you do a new city. I be the recipe to your success. So now can we dig it? Just yesterday. Mutic is only made with high quality ingredients to ensure a distinctive, refreshing taste and a seriously good time. Music, Joie de Vivre of Cameroon. Hello Africa, my name is Queen Bee and you are watching The Call with my director Eric Marcel. Welcome. I want you people to know something. We all know that, but let me remind you. The planet Earth is so rich, diversified, inhabited by people, you know, different races, so unique and different in the customs and traditions. From generation to generations, human beings are always, have always been on a self-identification quest. We don't know what we are looking for, but somehow you are different and I'm different. Today on The Call, it's my pleasure to present to you one of the forefathers of art and culture on the African continent. Of course, he's a Cameroonian. You know, he went to school like any other teenager, but his late mother, may her soul rest in peace, somehow introduced him into the manipulation of African fabrics. Today, he is a man dishing out his talent to others and his academic school, you know, modelism, fashion police. In Cameroon, we call him Maître Parfait-Behen. It's not yet the end. It's just the beginning. On The Call, one-on-one like you've never seen before. And I'll be back with the rest because we're doing this for you. I just want to thank you for being on the show, you know. Having somebody like you on the show, it means so much, you know, to the African viewers, you know, fresh people, lovers of fashion. Because I know talking about art, when it comes to fashion designing in Africa, especially in Cameroon, it's a domain that most people, they find it very difficult to embrace because they think that is something for the rich. But I'm so happy that you are here to break it down because you are one of the four founders of fashion, you know, in Cameroon. So, but I want as a lot of viewers to be with us because it's going to be a step-by-step interview. I want them to get to know you better. Yes. You are born, you know, Parfait-Behen. Yes. In Douala in 1965. Yes. Your mother was a seamstress. Yes. She died, may her soul rest in peace. That is no problem. Okay, I like Thank the you. Spirit. Uh-huh. So I would be very pleased if you get to tell me more about your family, brothers and sisters, if I may parler un peu de ça. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire pour qu'on puisse bien comprendre. Quand tu finis de questionner en anglais, si tu peux agencer un peu en français comme ça, je comprends, j'ai la quintessence de ce que tu voudrais savoir. Donc, oui, comme tu l'as constaté dans mon pressbook, je suis Parfait-Behen. Je suis le fils de Benjamin d'une famille. Donc, la maman elle-même était couturière. Mais c'était une couturière de volonté, n'est-ce pas? Elle était une brave femme qui a toujours aimé la beauté, qui se faisait des vêtements. Et par cooptation ou par habitude, j'ai commencé à aimer le métier de la couture à partir de ce que ma propre mère faisait. Donc, mon père, lui, voulait plutôt que je devienne architecte. D'ailleurs, les premières études qu'il a eu à me payer, c'était les études d'architecture en France. C'est pour cela que j'étais parti pour pouvoir faire. Mais je n'ai fait qu'une année et après j'ai viré complètement dans la mode qui était le sens même de ma condition d'être. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et tout. Donc, c'était ça ou rien. C'est parce que je savais déjà dès le départ que je voulais faire rien d'autre que la mode. Okay. Voilà. Je ne sais pas, il vient d'où le nom là? Je n'ai jamais entendu ça. Je suis camerounaise.
Voilà, c'est vrai que il faut dire quand même que quand j'arrive au Cameroun, après mes études en France, beaucoup plus à Paris, je décide de rentrer au Cameroun pour travailler ici. J'étais d'abord installé à Bali, dans un immeuble là-bas, où j'ai d'abord créé la maison de couture, Parfait BN. Et j'ai opté d'abord pour faire la politique de positionnement. Ça veut dire que je voulais qu'on sache ce que c'est que la couture, plus particulièrement la haute couture. Donc, il n'était pas question pour moi de commencer à faire la communication à tout vent. Je voulais d'abord installer, montrer ce que mon know-how, ce que je sais faire et ce que, selon mon approche modéliste, qu'est-ce que c'est que la couture. Voilà donc comment j'ai évolué jusqu'à une époque où j'ai été à même et l'un des premiers à organiser seul un défilé de mode à Douala et à Yaoundé où le couturier ou le créateur Parfait BN invitait les gens pour venir voir la résultante de son esprit. Voilà. Donc, à partir de là, donc, il y a eu beaucoup de sollicitations et j'ai donc décidé de faire encore un pas en avant. Donc, c'est vrai que déjà dans ma philosophie, je pense que une belle fleur, où qu'elle soit, les abeilles vont toujours pour prendre le nectar et en faire du miel. Okay. Je pense que le travail que je fais est un travail noble. Nous, les stylistes modélistes ou les créateurs, nous avons un grand privilège de pouvoir faire des robes ou des vêtements que nous faisons. Et cela mérite une tribune conséquente pour pouvoir expliquer ceci. Cela ne saurait se faire de manière dilatoire ou n'importe comment pour pouvoir présenter ce travail. On dit en français, en anglais, every man's got a story to tell. Chaque homme a une histoire à raconter. Oui. Donc, grandir comme un enfant, c'était un privilège pour vous? Oui et non. Oui et non, c'était un privilège parce que j'ai eu des parents très attentionnés qui avaient de l'ambition pour nous, qu'ils voulaient absolument bec et ongle pour qu'on devienne des gens. Et non, parce que face à cette ambition-là, il y avait des contraintes. Des contraintes sur le plan de l'encadrement, des contraintes sur le plan de l'éducation aussi. Et si cela s'était ressenti autrement, c'est que ma carrière, je l'avais débutée très tôt. Mais ma mère, qui était une ménagère, ça veut dire une femme de maison, comprenait que je puisse vouloir faire ce métier de couturier, de couture en quelque sorte. Et mon père, lui, ne comprenait pas ça de cette oreille. Lui, il pensait plutôt à autre chose. Il se souciait de qu'adviendrait son petit garçon, parce que la couture, comme il aimait le dire, c'était un métier de femme. Est-ce que ça pourra faire vivre son homme, ainsi de suite. Beaucoup de barrières comme ça, qui des fois se répercutaient même jusqu'à l'école primaire. Parce que j'ai des anecdotes qui font sourire aujourd'hui, mais à l'époque c'était dramatique pour un petit garçon de 7-8 ans que j'étais à cette époque-là. À l'âge de 22 ans, vous avez quitté Cameroun pour Paris. Voilà. Et papa était où? Parce que moi, avec votre histoire, moi, je comprends que votre papa, il voulait que vous fassiez quelque chose. Un autre oui, truc. L'architecture. Yeah, voilà. Voilà. Mon papa, c'est lui qui m'a envoyé. Mais il m'a envoyé pour aller à l'école des Beaux-Arts. Oui. Où j'avais déjà fait mon inscription et tout. Oui. Mais en fait, moi, je cherchais, ce voyage-là était pour moi comme une libération, sortir de la main de fer de mon père pour pouvoir enfin faire ce que je voulais faire. Oui. Voilà comment j'arrive donc à Paris, mais puisque la première année était déjà payée, j'ai été à l'école de Beaux-Arts pour faire l'architecture, pour continuer à faire l'architecture. Et après donc, j'ai décidé de moi-même de pouvoir aller à
l'Institut Paris Modéliste, voilà, où pendant les 3 premières années, il m'envoyait de l'argent pour aller à l'école que lui, il voulait. Et moi, je prenais cet argent pour payer l'école que moi, je voulais. Et maman était au courant? Et maman n'était pas au courant. Ça allait mettre son... Elle aurait été en danger si elle était au courant. Parce que si elle était au courant, ça aurait dit qu'elle cautionnait. Et mon père ne pouvait pas comprendre ça de cette oreille. Parce qu'à la maison, c'est le papa qui décidait. Et tout le monde suivait. Je ne sais pas, à l'époque, votre premier semaine, premier mois, première année à Paris, dans un autre pays, c'était facile, je ne sais pas. Oui, non, non, c'était vraiment pas difficile parce que j'ai eu beaucoup de chance. Quand j'arrive à Paris, je trouve un cousin qui est venu me prendre chez qui j'habitais, où j'ai eu de très très bonnes conditions, qui s'appelle Raymond Hunga. On l'appelait, son nom communément connu, c'est le Baron. C'est lui qui m'a hébergé chez lui. C'est chez lui donc que j'ai fait mes études. Et il m'a permis de pouvoir, il m'a vraiment bien encadré parce que lui aussi comprenait la valeur des études. Donc, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés comme d'autres personnes pourraient le connaître. D'ailleurs, quand j'arrive à Paris, 2 mois après, je pouvais travailler. Parce que j'avais la faculté, en quittant d'ici, j'avais déjà une base, j'avais déjà un background au niveau de la couture qui me permet de pouvoir travailler. Et avec ses relations à lui, ça m'a permis de pouvoir travailler. Donc, je profite d'ailleurs pour rendre un vibrant hommage à Raymond Hunga, n'est-ce pas, le baron, qui m'a beaucoup encadré et m'a permis de contribuer à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui aussi. Parfait, Ben. Have you ever been a tailor to Gucci Gabbana? Oui, j'ai travaillé avec Gucci en sous-traitance. C'est quelqu'un qui doit bien me connaître alors. Parce que je vais vous raconter l'anecdote. En fait, quand on était à l'école, n'est-ce pas, à l'Institut Paris Modéliste, on nous imposait des stages en entreprise. Il fallait donc qu'on puisse accéder au stage pour pouvoir parfaire son année académique. C'est comme ça que, de par des relations toujours haut placées, j'ai pu faire des stages dans des maisons prestigieuses, qu'aujourd'hui, il serait extrêmement difficile de pouvoir y accéder. J'ai fait vraiment le tour des 4-5 grandes maisons de couture et j'ai eu aussi l'infime honneur de pouvoir créer une collection en 96 pour un grand couturier. Voilà. Donc, si, j'ai eu à faire ça. Et là où j'ai vraiment pris mes armes en tant que couturier, c'est dans les maisons de couture. Parce qu'après l'école, il a fallu que nous partions dans des grandes maisons de couture ou alors dans des ateliers. Et moi, j'ai eu le privilège de fréquenter plutôt des maisons de haute couture. Voilà. And in 1992, you came back to Cameroon. Yes. En rentrant dans votre pays, vous avez, je sais pas, vous avez sûrement un projet. Oui. Déjà, qu'est-ce qui me fait rentrer au Cameroun? Yes. Je me rends compte, après mes études, que l'Afrique a plus besoin de moi que l'Europe a besoin de moi. Parce qu'après mes études, il faut quand même dire que j'ai fait le tour de l'Europe, la Suisse, Allemagne, Belgique, Italie. Mais quand vient la dévaluation, quand on a dévalué le franc CFA, j'avais une clientèle qui me venait du Cameroun pour venir coudre chez moi à Paris. Une clientèle assez aisée, qui payaient facilement, mais avec la dévaluation, elles n'arrivaient plus. Les commandes ne pleuvaient plus comme avant, parce qu'il y avait cette question de franc CFA par rapport au franc français. Alors, j'ai rapidement fait mon calcul, je me suis rendu compte que, étant sur place, je peux satisfaire cette clientèle et garder aussi ma clientèle en Europe, dans la mesure où à Paris, j'avais aussi une clientèle qui
voulait des choses faites avec un esprit d'un Africain et qui venait forcément vers moi. Donc, je pouvais me déplacer en gardant ce portefeuille de clientèle. Or, celle qui était ici au Cameroun avait des difficultés, il fallait que je me rapproche d'elle. Première raison. Deuxième raison aussi, il faut dire que l'Afrique m'inspire. Je suis un Africain dans l'âme. Je ne peux pas sans mon Afrique, sans ma terre natale, le Cameroun. Parce que le Cameroun me donne tout sur le plan de source d'inspiration. J'ai une totale liberté. J'ai une pleine compréhension des choses, même sur le plan cosmogonique. J'ai mon père qui, Dieu merci, était encore vivant, qui était quelqu'un de très enraciné, quelqu'un d'une très, très grande culture, n'est-ce pas? Et il fallait que j'en profite. Donc, tout ceci rassemblé converge à ce que moi, parfait BN, je puisse rentrer au Cameroun. Mais en venant au Cameroun, je ne suis pas arrivé tout d'un coup. J'ai fait 4-5 voyages de prospection. À chaque fois, je viens pour regarder est-ce que j'ai compris qu'il y avait de la place. Il y avait même tout à faire. Sauf que il nous manquait beaucoup de la main d'œuvre qualifiée. Ça, c'est un problème, un grand dilemme quand j'arrive au Cameroun. Et il fallait faire quelque chose pour pouvoir organiser, jeter des bases et pouvoir permettre à ces jeunes qui ont beaucoup de choses à dire, mais qui manquent de la technicité, qui manquent des bases et des normes de la couture. Et ce que je découvre aussi au Cameroun et qui me rend malheureux, qui me donne de l'effroi, c'est que, en fait, la couture au Cameroun avait été introduite comme une nécessité et non comme une profession. Ce qui veut dire que la couture était essentiellement faite par des femmes de ménage ou alors des jeunes filles qu'on apprête pour donner en mariage, pour qu'elles puissent repasser les chemises, pour qu'elles puissent raccommoder, faire en sorte de tenir la maison, ainsi de suite et tout. Donc, ce côté-là, je l'ai beaucoup déploré. Donc, avec mon bagage et avec mes aptitudes, il était nécessaire et essentiel pour moi de pouvoir partager et aussi que sur le plan philosophique, le savoir ou alors le savoir-faire, quand on veut le faire vivre, il faut le partager, il faut le donner. Comme ça, en donnant, on garde et on multiplie les chances. Voilà comment, quand je viens au Cameroun, voilà mes deux grands projets. D'abord, de créer une maison de haute couture pour pouvoir travailler réellement dans les règles strictes de l'art. Et de deux, de créer un environnement qui puisse faire en sorte que, désormais, les jeunes étudiants qui peuvent avoir le bac ne s'arrêtent pas là. Parce que je découvre qu'après le bac, on rentre au quartier, dans des ateliers de quartier, pour pouvoir continuer. Or, il n'y a plus rien à offrir. Il fallait plutôt aller au-delà. Et je dois avouer que je suis chanceux. J'ai rencontré beaucoup de chance au Cameroun parce que tous mes amis à Paris me disaient « Non, n'y va pas, tu es fou, tu as une bonne situation. » C'est vrai que j'avais une bonne situation. J'avais un boulot qui marchait et qui payait excessivement bien. Et arriver au Cameroun était pour moi aussi de l'aventure.
Le pro, voilà, il travaille ici, il réalise tout type de vêtements. Les hommes, les femmes ne vous traitent pas un peu trop féminine? Bon, c'est un problème de préjugés. Il y en a pas seulement ce qui concerne la couture, mais dans d'autres domaines aussi. Mais vous comprenez, le monde évolue et la profession n'a pas de sexe en tant que tel. Donc, évidemment, il y a ces préjugés que j'ai dit concernant de ces métiers par rapport au fait qu'on est un homme dans ces métiers. Bon, ça va être féminin. Mais ce n'est pas aussi facile à surmonter. Mais on essaye quand même, à travers ce qu'on fait et le produit, de prouver que non, bon, les gens, ça ne s'importe pas. Parce que ça se dit et ça se voit souvent quand on lance dans ces domaines, comment ça fait le quoi là, avec les mains comme ça, vous n'avez jamais pété, je ne sais pas, parce que c'est un travail pour les femmes. Mais ça relève de... Non, la couture n'est pas... c'est pas l'affaire des femmes. En tant que... fondamentalement, c'est pas l'affaire des femmes. Aussi, dans l'imaginaire populaire, on associe l'exercice de ces métiers au fait que ça prête vite à des tendances homosexuelles, si vous voulez que je le dise. Bon, c'est lié à une campagne qui se mène comme ça, à tort. Vous comprenez? Parce que les gens connaissent d'abord assez trop mal l'histoire de cette mouvance homosexuelle. Et puis, nous n'avons pas assez appris à la masse le fondement même de la mode. Nous sommes encore trop loin de la réalité même du métier par rapport à d'autres cieux, vous voyez. Mais dans un premier temps, d'abord comme ça, mais il y aura une certaine évolution et les gens comprendront que non, il y avait des préjugés. Il y en a dans tous les domaines, même sur le plan religieux. Les pasteurs ont dit que c'est un pasteur, mais il est marabout. Derrière ça, c'est un magicien. Donc il n'y a pas de domaine exempt de préjugés. C'est notre magasin, mais ici nous faisons également la coupe. La coupe, c'est un des postes, n'est-ce pas, dans la couture. Voilà, parce que pour coudre un habit, il faut un processus. Voilà, voyez-vous, il faut un processus pour coudre un habit. Ici maintenant, on coupe les tissus. On est en train de couper les tissus en petits morceaux. Et c'est sur ce petit morceau qu'on rassemble pour amener derrière, pour maintenant commencer à les rassembler, à les coudre, à donner de la forme aux vêtements. Donc, la couture a un processus.
maintenant de l'envoyer au pressing. Le pressing, quand il a le vêtement rentre du pressing, il est directement livré au client. Voilà. Mais on ne peut pas livrer sans avoir essayé. Rendez-vous, la magie. Ah bon? Ok, je vais corriger ça alors. D'accord. Ok, d'accord, je vais corriger cela.
Alors, les difficultés sur le plan technique, n'est-ce pas, que nous rencontrons ici, il faut dire qu'il est très très difficile de les dépasser parce que, comme je le disais, jusqu'à une époque relativement récente, les gens comprenaient pas que la mode, la couture, c'est un métier plein, c'est un noble métier d'abord, avec tout ce que cela comporte comme attribut. Et les difficultés en fait que nous rencontrons découlent de cet esprit-là. Bon, maintenant, la première des choses pour pouvoir casser tout ça et de présenter autre chose, c'est d'abord de par le travail que nous devons faire sur le terrain. On devrait faire un travail qui nous permet aux tierces, c'est-à-dire aux gens comme vous ou aux autres, de comprendre que la couture, c'est un métier avec ses normes, avec ses bases, avec ses spécificités, n'est-ce pas, qui font en sorte que au moment d'en parler ou au moment de le montrer au public et tout, qu'on puisse le montrer avec toutes ses contraintes pour que l'autre puisse appréhender réellement ce que c'est que la couture. Donc moi, à mon niveau, ce que je fais comme première des choses, c'est d'abord l'ouverture. Je dois m'ouvrir pour que tout le monde puisse accéder, voir, toucher du doigt, pour pouvoir connaître davantage, parler de la mode, parler de la couture. Bon, maintenant, sur le plan technique, c'est vrai que généralement, il est connu de notoriété publique que quand on est connu à l'extérieur, on est connu à l'intérieur. Donc, je mène cette grande bataille pour que le Cameroun puisse être connu comme une destination de la mode et du savoir-faire, n'est-ce pas? Et jusqu'à une époque relativement récente, ça veut dire 3-4 ans, nous avons créé une fédération camerounaise de la couture et du prêt-à-porter qui s'appelle FECAP. Voilà. Donc au sein de la FECAP, on a créé des chambres, on a créé des cellules pour pouvoir discuter et de préparer vraiment tous ces grands moments pour que la couture ne soit plus ce métier réservé à ceux qui n'ont pu faire autre chose dans la société. Oui, les mannequins. Oui. Ça se passe souvent sur ce contrat ou vous avez déjà une société qui gère les mannequins? Non, en fait, les mannequins ici, malheureusement, nous n'arrivons pas encore à des niveaux comme en Occident ou en Europe où on gère des mannequins de manière quasiment professionnel. Mais n'empêche quand même qu'une maison de couture comme Parfait BN, nous avons des égéries, n'est-ce pas? Et mes relations personnelles m'ont permis de connaître des très grands mannequins comme les Sonia Roland, comme les Satya Oblette, comme le Feu Flammarion Olomo, à qui je rends hommage ici, paix à son âme, qui fut un très très grand mannequin, l'un des noirs à voir arriver au cime du mannequinat en Europe. Et Dieu seul sait que ce n'est pas facile. Mais Flammarion Olomo était un grand ambassadeur camerounais et africain sur le plan de la mode. Sa contribution est inoubliable et on ne pourra jamais se passer de ce grand mannequin qui est parti trop tôt. Nous regrettons d'ailleurs. Donc voilà comment la relation avec les mannequins se passe. Mais il reste réel que les mannequins sont des véritables ambassadeurs de la mode. On ne peut pas aller au-delà sans leur contribution. Il faudrait donc que, à chaque fois que nous pensons à l'émancipation, à l'épanouissement de la mode, que le mannequin puisse avoir sa place aux côtés des couturiers. Et il faut savoir aussi que à l'époque de la Renaissance ou à l'époque ancienne, le canon de la mode n'était pas slim, hein. C'était des fêtes bien rondelettes, ainsi de suite et tout. Donc, mais maintenant, sur le plan esthétique, sur le plan optique, n'est-ce pas, et aussi sur le plan technique, on a sollicité la taille 38, n'est-ce pas, pour matérialiser nos créations, parce qu'on s'est rendu compte que la taille 38 peut porter toutes les ampleurs, tout ce qui peut être virevoltant dans un vêtement. Et pour l'instant, c'est une doctrine, en quelque sorte, tout, que nous observons tous à utiliser la taille 38 comme top modèle. Oui. Tous les habits, c'est créé pour porter? Non, tous les habits
tous les habits ne sont pas créés pour être portés. Alors ici, je vais vous présenter, je vais vous dire ce que c'est. En fait, ça, je me suis inspiré des Pygmées Baka. Vous connaissez les Pygmées Baka? Okay. Nous avons ici en Afrique, notamment au Cameroun, notre patrimoine culturel sur les peuples, dont une partie est les Pygmées Baka, n'est-ce pas? Quand j'ai eu à faire un tour là-bas et les approcher, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas la même approche du corps que nous. Le nez n'était pas en fait la fixation essentielle du type morphologique ou alors de la morphologie. Alors, et à côté de cela, je me suis rendu compte qu'il y avait des richesses telles que les matières faites en obom, en écorce d'arbre, qu'on appelle obom. Ils portaient encore des caches sexes et cela ne gênait aucunement qui que ce soit. Donc, pour revenir à Africa Ini, donc voici l'Afrique, il incombe à moi, créateur, de pouvoir apporter cela et de montrer au peuple notre contribution qu'on pourrait avoir. Donc ici, vous avez un cache-sexe fait en écorce d'arbre battu et rebattu, ramolli, n'est-ce pas, que j'ai torsadé et j'ai serti avec les cordes de raffia natées pour pouvoir sortir ce modèle. Et j'ai fait appel à un grand bijoutier qui est Papa Aliou pour pouvoir faire des colliers et des sacs pour assortir ceci. Donc en fait même, toute création n'est pas forcément faite pour pouvoir arborer. Toute création, une partie de la création est faite pour pouvoir présenter l'esprit. Vous comprenez? C'est l'esprit qu'on voudrait dire ici et on voudrait montrer notre patrimoine culturel. Donc, mal en prendra certains qui verront ceci du sexisme, n'est-ce pas? Or que cela ne l'est pas du tout, ce n'est que pour pouvoir montrer la richesse que nous avons. Voilà. Je suis désolé si d'aucuns pourraient être choqués par rapport à cela. Ce n'est pas le sens de la création. Je pense que notre ministère de tutelle, qui est le ministère de la culture, peut nous apporter énormément sur le plan de l'encadrement, sur le plan de la promotion de nos œuvres, n'est-ce pas, en nous aidant dans l'organisation des événements qui sont dans le but de la promotion de notre art, de notre noble art. Voilà. Donc je pense que le ministère de la Culture, de manière naturelle, a un grand rôle à jouer dans l'encadrement du métier de la mode au Cameroun. Voilà. J'étais là une fois, c'est Saint John's Plaza, sans publicité, et je vois mettre parfait bien backstage, coulisses. Oui. Monter, descendre, les filles, les filles qui sont nues, les garçons. Voilà. Comment gérer ce stress backstage? Alors, c'est un stress qui est inévitable, déjà pour dire. Il faut savoir que l'esprit est quelque chose de personnel. Quand tu as un esprit, quand tu penses à quelque chose, c'est une question extrêmement personnelle et individuelle. Maintenant, il faut partager cet esprit avec le monde, le public. Il faudrait donc des prérequis, il faudrait donc une mise en scène pour que ce que tu penses soit perçu par le public de la manière que tu voudrais présenter cet esprit. Donc, par rapport à cela, ça crée du stress. C'est vrai que tu l'as vu, Kimbi. Ça crée du stress, mais comme si j'ose le dire, c'est un désordre ordonné, en quelque sorte, tu vois. On sait exactement ce qu'il faut dans ces montées, aller, venir, descendre, et aller de gauche à droite, ainsi de suite. C'est bien orchestré, qu'on sait qui fait quoi. C'est après une répétition générale qu'on arrive à ces résultats-là. Donc, on sait exactement où on va et cette montée d'adrénaline est essentielle, est nécessaire pour la réussite de ce qui se passe sur la scène. Okay. Voilà. Really wonderful. Et j'étais là une fois, I was there, I've been there so many times, et je vois les filles nues. Oui.
Comment gérer tout ça? Ça vous dérange? Non, pas du tout. Il faut savoir que... C'est un autre monde, là. Oui, c'est un autre monde. Il faut dire que pour nous, les modélistes, n'est-ce pas, ou les stylistes modélistes, le corps est un instrument de travail. Nous n'avons pas une relation sensorielle avec le corps. Le corps, pour nous, est un élément de travail. On considérerait très, très bien le front, comme on verrait un sein, comme on verrait une cuisse, comme on verrait une fesse, comme on verrait le pubis, comme on verrait, ainsi de suite et tout. C'est impossible d'avoir la même approche ou la même relation avec le corps comme un profane pourrait le faire. Donc, pour nous, le corps, un nu, est fait pour être habillé ou représente rien que ce qu'il doit représenter. Les questions de sensation, de sensibilité, ça se gère à un autre niveau, mais pas dans l'action, pas dans le cadre du travail, parce que les deux émotions ne se mélangent pas. Voilà. C'est vrai que c'est une sensibilité, et loin s'en faut, ça reste une sensibilité, mais ça ne va pas au-delà de l'aspect professionnel de la chose. Ça doit rester bien cadré pour que l'esprit puisse être avec vous et de pouvoir se déployer. Je l'ai dit, c'est un sabotage. C'est un sabotage. Quand on dit que maître parfait, Ben, is a gay, is homosexual. Sabotage ou pas, c'est vraiment pas une question qui m'intéresse au premier degré. Il faut savoir que la relation entre l'homosexualité et la mode ne naît pas d'aujourd'hui. Mon grand maître, celui pour qui j'ai beaucoup d'admiration, même qui est mort, comme Yves Saint-Laurent, qui a apporté énormément, une grande contribution à la mode, n'est-ce pas, était un homosexuel et il vit son homosexualité de manière ouverte et, tout, et tranquille et simple. Et tout. Tout ce que nous condamnons, c'est la pédophilie, c'est la violation, c'est le viol de l'un et de l'autre. Et tout. Mais maintenant, comment cataloguer Parfait BN comme homosexuel et tout? Non, Parfait BN est créateur, styliste, modéliste et tout. Maintenant que je sois homosexuel, c'est mon identité. Comme qui que ce soit peut faire ce qu'il veut, ainsi de suite et tout. Mais vous imaginez bien que je ne veux pas rougir si on me taxerait d'homosexuel et tout. Que je le sois, c'est vraiment, ça ne relève que de ma seule responsabilité et je le vivrai très très bien parce que c'est quelque chose que j'ai vu. Mais cela dit, à côté, je dois quand même, puisque vous avez soulevé ce problème-là, cette question, pas le problème, il faut dire que pour nous, les créateurs, nous avons ce qu'on appelle une double sensibilité, que vous, par exemple, les profanes, n'ont pas. On a une double sensibilité qui nous permet à chaque fois de pouvoir se mettre à la place de l'autre. Quand je dois coudre un vêtement pour Kimbi, à un certain niveau de la création, je dois être Kimbi. Qu'elle soit femme, qu'elle soit homme, peu importe tout, dans ma démarche, dans mon approche artistique, c'est comme une philosophie et tout. Il faudrait que je puisse me mettre à sa place et tout. Et ça, c'est une grâce. Et ce n'est que sur le plan de la création, à un certain niveau, sur le plan philosophique, qu'on peut retrouver cette transportation de l'émotion et de la sensibilité. Donc, mais vraiment... Moi, je ne considérais pas ça comme un sabotage. C'est notre société qui n'est pas encore ouverte à certaines libertés, n'est-ce pas? Qui n'est pas encore ouverte à certains droits. D'ailleurs, je tiens à dire ici que je suis le vice-président d'Alternative Cameroun. Alternative Cameroun, qui est une association de défense des droits de l'homme, qui défend aussi les droits des gays, des homosexuels, des gens qui ont des problèmes, que nous apportons de l'aide. Tout le monde, hein? Tout le monde. Maître Aliscombe, vous travaillez ensemble? Oui, on travaille. Maître Aliscombe, c'est la présidente de ADEFO. Okay. Mais ce sont des associations qui sont très, très sœurs parce que nous avons une haute idée de l'être humain, de l'individu, dans sa démarche, dans sa liberté et dans ses droits. Nous vivons dans une société qui est démocratique et on ne comprendrait pas qu'on puisse s'immiscer dans la vie personnelle, individuelle d'un individu pour pouvoir... Aucune loi d'ailleurs, par notre approche, aucune loi ne peut régenter la sexualité d'un individu.
n'y a pas une loi qui peut dire que toi, Kimbi, tu as le droit d'être homosexuel. Toi, Kimbi, tu as le droit d'être... Chacun doit être libre de choisir. Sinon, où irons-nous? Si on se doit de pouvoir être catalogué de par soit la culture, de par la société, de par autre chose et tout. Moi, je pense que c'est une utopie et ça se démontre tous les jours d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est marié, on va des femmes se marient, des hommes se marient. Libre à eux, ceux qui veulent le faire n'ont qu'à le faire. Et tout. En Europe maintenant, à Paris, on se passe à Paris. Deux femmes peuvent se passer à Paris et... Deux hommes peuvent se passer à Paris. En Afrique du Sud, quand Mandela est venu, Mandela, la première des choses qu'il a fait, c'est de pouvoir libéraliser de la discrimination qui pouvait exister entre les gays et ainsi de suite, ainsi de suite. Ici au Cameroun, les Camerounais ne veulent pas. Moi, je suis Camerounais. Tu es Camerounaise et tout. Majorité, quelle majorité? Laquelle et tout? Moi, je pense que quand il y a eu l'affaire des listes, n'est-ce pas, quand on a sorti le nom et des ministres, des 50, tout, ainsi de suite et tout, qu'est-ce que le président de la République a dit? Le président de la République a dit que les mœurs, n'est-ce pas, et les vices restent dans le domaine privé de tout un chacun. Okay. On ne peut pas dire que la majorité est ceci. Non, il y a certainement des gens qui ont le droit de ne pas accepter cela. Mais pourquoi ne pas laisser le droit de ceux qui vivent ça, le vivre tranquillement, dans la mesure où ce n'est pas la pédophilie, ce n'est pas une société secrète, ce n'est pas une maladie. L'OMS a enlevé l'homosexualité en tant que maladie. Alors moi, je me souscrirais en faux à chaque fois qu'on ramènerait cette question sur la table et tout pour condamner, indexer, stigmatiser les uns et les autres et tout. Il n'y a pas lieu d'être de cela. Aujourd'hui, Maître Parfait Bien, dans ce que vous faites là, je sais que c'est un monde vraiment exposé. Oui. Si un homme vient aujourd'hui, vous dit que vous faites les approches. Oui. What's going to be your reaction? Non, mais si un homme vient me faire des approches, s'il arrive que je suis homosexuel et tout, je vais écouter ce qu'il dit. Si je ne le suis pas, je vais le prendre pour lui dire et tout, écoute, je comprends très bien que c'est ta vie, mais moi, je ne suis pas homosexuel et tout. Mais cela ne veut pas faire que je ne vais pas prendre un fusil et tirer dessus ou bien un peu. Non! C'est parce que chacun doit vivre sa vie telle qu'il entend, dans la mesure où ça ne me gêne pas. Okay. Si ça ne me gêne pas, pourquoi voulez-vous que je vienne m'immiscer dans quelque chose qui vous est intime, personnel? Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pense, je dois dire ici que on ne choisit pas d'être homosexuel, comme on ne choisit pas d'être hétérosexuel. Vous, Kimbi, non, mais je vous pose la question. Vous, Kimbi, quelle date vous avez choisi votre sexualité, vous? Il y a un jour où vous êtes dit que, bon, maintenant, je vais être homosexuel ou je vais être hétérosexuel. Vous connaissez la date? Vous pouvez me donner la date? Ça arrive naturellement. Voilà. Voilà, merci de cette réponse-là. C'est des choses qui arrivent naturellement. Et alors, pourquoi? Mon cas, ça arrive naturellement. Voilà, ça arrive naturellement. Oui, mais beaucoup, mais parce que nous... Dans notre association, nous avons une cellule d'écoute, n'est-ce pas? Une cellule de psychosociale où les gens qui ont des problèmes viennent s'écouter, viennent se faire dire des choses qu'ils ne peuvent pas dire ailleurs, en famille. Mais il ressort quand on fait des rapports, on nous fait des rapports pour pouvoir savoir le déroulement des activités. On se rend compte que des gens viennent, même ils souffrent de pouvoir se découvrir quelque chose dont la société n'aiment pas, ne veut pas. Ils sont homosexuels, ils n'ont pas choisi. Ils se trouvent un matin que, après tous les efforts, ils s'est retrouvé qu'il est homosexuel, mais sa famille, son père, sa femme, ses enfants, tout ça là et tout, ne veulent pas de cela et tout. C'est une grande souffrance. Parce que si c'était un choix, rassurez-vous, ils n'allaient pas choisir cela. Mais ils n'ont pas choisi. Ils se retrouvent face à cette situation-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de ces gens-là? D'ailleurs, les homophobes, entre guillemets, quand on leur pose des questions, qu'est-ce qu'il faut faire de ces gens-là? Ils ne vont pas vous répondre. Ils ne vous diront pas, oui, ils vont commencer à vous dire, oui, nous, on ne veut pas ça au Cameroun et tout. Mais les homosexuels, comme les hétérosexuels, sont des Camerounais qui payent leurs impôts, qui travaillent, qui contribuent dans la société. Où on doit les mettre? Il faut qu'on nous dise ce qu'il faut faire avec. L'OMS a dit que l'homosexualité n'était pas une maladie.
Les pédophiles, les violeurs, les sectes et tout ça, ça c'est vraiment autre chose et tout. Ça, chacun fait ce qu'il veut là-bas. Si tu tombes sous le coup de la loi, on peut te condamner. Mais quelqu'un qui est ce qu'il est de manière naturelle, qui vit sa vie sans toutefois demander quoi que ce soit, qui que ce soit, on le prend, on le met en prison. Nous, au Cameroun, nous avons l'article 347 bis, qui est une ordonnance d'ailleurs, qui n'est même pas une loi votée par l'Assemblée nationale. Voilà. Qui condamne l'acte homosexuel. Mais qui condamne ce qu'on appelle le flagrant délit. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on vous attrape en train de faire l'acte, ou alors vous venez d'avoir accompli l'acte. Always good to have you around, lovers of the call. It's simple because I want us to do this stuff together. I don't want to feel like I'm just doing it with Eric Masewa, my director. Channel in your questions, your proposals, everything. True, the show is going on. The is just an S. The show is going on at Yahoo.fr. Oh, for more information, you know, want to know more about African musicians, Cameroonian musicians, you know, and artists, log on to our webpage, The Call, The Sky Block. The block ends with a G. thecore.skyblog.com. And that was all about it we prepared for you today. I hope I did put a smile on your face, but if not, next time just cross your fingers for me, because I can satisfy everybody. And that's why I have you out there, America. This is coming from you, coming to you live and direct from Equinox TV, the younger generation representing the future. Believe in yourself and you will see that you're one of Zion's children representing God. Take care, and I love you. I'll be back next time to talk about something different. Mutzig est seulement brassé avec des ingrédients de qualité supérieure pour garantir un goût unique, rafraîchissant et une vraie ambiance. Mutzig, la joie de vivre.